En vrai, je suis en train de réaliser que là, on va attaquer... Oh merde, c'est quoi cette pause? On va attaquer tranquillou, certes, mais par contre, je sais pas du tout où est-ce qu'on doit aller, donc j'espère qu'on va pas trop chercher. Bref, on verra bien. Rebonjour, excusez-moi, à toutes et à tous, et du coup, bienvenue dans ce live sur Nier 1, en compagnie d'un gestalt des plus posés. Là, vous voyez, on dirait un peu Mowgli, en fait, hein. C'est-à-dire que là, il est tranquille, bien... Il a l'air, on va dire ça comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que nous allons pouvoir continuer donc cette aventure absolument folle sur un jeu complètement fou. Un jeu qui, pour le moment, en tout cas, est très très calme, je le rappelle, voilà, c'est le moment du sommeil, c'est le moment où tous ensemble, on se dit, on découvre et on se laisse un peu porter, et pour le moment, en tout cas, ça se passe plutôt très très bien. Je rappelle qu'on incarne du coup Gestalt, enfin non, Nier, pardon. On incarne Nier, donc personnage principal, qui veut sauver donc sa fille Yona, qui est victime d'une maladie, une maladie des... runique, un truc comme ça, je sais plus exactement. Et donc pour ça, on va devoir retrouver des vers dont le nom m'échappe complètement. À un vers près, de toute façon. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que bah voilà, notre route nous mène jusqu'à cette zone, donc un nouveau village en fait, dans lequel on aura plusieurs choses à faire, notamment échanger, mais aussi quelques quêtes annexes. Et donc, eh bien, du coup, voilà, nous voici prêts à voir ça ensemble, tout simplement. Et c'est là que vous réalisez que pour les noms, j'ai une mémoire complètement à chier. Mais bon, ça, je pense que c'était pas un secret. Et donc, on va pouvoir tranquillement. C'est très bizarre ce jeu, je le vis pas très très mal. Voilà, c'est les vers scellés, me dit-on, merci beaucoup pour l'info. Et c'est la nécrose runique dont elle est victime, quelque chose qui n'est pas sans rappeler, je trouve, la maladie qu'on retrouve dans Pandora's Tower. Mais dans, voilà, ça c'est la petite parenthèse comme ça. Et donc là, voilà, nous sommes dans Littoral, qui est donc cette ville absolument somptueuse, avec une musique absolument somptueuse également, que j'espère vous entendez. Et là voilà, on vient de récupérer une splendide étoile de mer, sachant que, eh bien, on va pouvoir parler un petit peu aux gens qui sont autour de nous. Je rappelle qu'on est vraiment là en mode tranquille, on se prend pas trop la tête, parce que, voilà, le but c'est vraiment de profiter du jeu simplement et de pas se presser. Alors, j'ai envie de manger du poisson globe, mais j'ai apporté le plus d'arinicole que je pouvais. Ah, cette fameuse Nicole, on se rappellera tous de Jnik Nicole, bien sûr. C'est la seule façon de l'attraper. Et je précise que je viens pas de dire quelque chose de grossier, hein, pour les gens qui ne connaissent pas, je vous invite à taper Jnik Nicole sur Google et vous comprendrez. Un poisson chaman? Oh bien sûr! Je pourrais en attraper un les yeux fermés. Ah oui, c'est ce qu'on est venu chercher, c'est vrai. Mais pourquoi... Ah oui, c'est vrai! On est là pour chercher un antidouleur, excusez-moi, parce qu'elle souffre, c'est ça. Il y en a qui souffrent, on veut un antidouleur, donc on est parti pêcher ce truc-là. Mais pourquoi donner un poisson à quelqu'un quand on peut lui apprendre comment le pêcher lui-même? Tiens, essaye toi-même, avec cette canne à pêche. Oh putain. Tu peux attraper des poissons chamans en pêchant sur la plage. Sur la plage abandonnée. Tu sais pas comment pêcher? Impossible! T'as qu'à bouger dans la direction opposée à celle du poisson, compris? Tiens, je vais même te donner une amorce. Ok, ok, très bien, pardonne jamais. Je crois que je flippe. Alors, rond pêché à l'écran, très bien. Croix pour ferrer. Léo, si tu m'entends. Très bien. Amorce, c'est parti. Et là j'ai pas. Attention. La pêche de FF15. Après la pêche de FF15, la pêche de tout en fait. Hein. Tous les jours on leur pêche. J'ai hâte de voir ce que celui-ci va donner. La pêche qui était déjà présente dans Nier Automata... Enfin, déjà, non, je dis dans le mauvais ordre. Qui était du coup présente dans ce jeu-là, alors que déjà, dans Nier Automata, on l'a retrouvé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, mon dieu? Mais qu'as-tu fait, malheureux? Non, le poisson s'est enfui! Ah, ça va, j'ai encore l'amorce. Mon dieu. Attendez, est-ce que ça marche? Non, je suis pas sûr. Le poisson s'est enfui. Je crois que je suis nul. Je crois que je suis très très nul. On va voir. Attendez. Je m'attendais à quelque chose de pas ouf. Je m'attendais pas à ce point là. Ça ne mord pas. Bon d'accord, ok, c'est spécial. Non mais j'y arrive pas en vrai. J'y arrive pas. La pêche aux blagues de merde, exactement. À défaut d'essayer de se faire rattraper. Comment ça marche? Alors, si jamais quelqu'un a l'indication de... En plus, je vois cette espèce d'énorme phoque là qui est en train de... On dirait Mowgli. On dirait Mowgli quand il dort. Mowgli, c'est mon chat, je rappelle. On dirait Mowgli qui dort sur le canapé où tu crois qu'il est mort jusqu'au moment où tu essayes de l'attraper et là il fait. Qu'est-ce que tu fais? La pêche est pas top. Alors, quand je veux faire, j'appuie sur croix, on est bien d'accord? Mais ça marche que de la dalle ce truc. Le poisson s'est enfui.
Mais c'est horrible. Oh non mais... Mon dieu, ce n'est que de la frustration. Je la tire vers moi avec la touche croix, Niniezu, avec Ninuezu, pardon, ou je fais autre chose, je sais pas là, je suis perdu. C'est difficile. Je pense qu'on va faire une petite ellipse pour la VOD là, hein. Je le sens très très mal. Je tente un dernier coup, mais... Je maintiens, d'accord. D'accord, et je vais dans la direction opposée en main. Mais c'est l'enfer, ils ont fait un truc vraiment très très difficile. Ouh là 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 là. En plus, à cause de l'aliasing, tu vois pas quand ça mord. Ah ouais, dur. Ah ouais, pauvre. Là, il y a Freya qui nous dit pauvre YouTube. Là, c'est le moment où intérieurement je me dis, faut vraiment mettre un titre de vidéo qui donne ultra envie, comme ça vous arrivez là-dessus, vous êtes déçu direct. C'est la punition. Oh, mais c'est pas possible. Voici le SOS d'un streamer en détresse, exactement. J'ai jamais eu les pieds sur la mer. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne mord pas, mais c'est l'angoisse. Mais c'est horrible! C'est horrible! Le pire, c'est que c'est dans le scénar, je suis obligé de le faire. Mais non, mais arrête! J'ai... J'ai toujours su que je n'étais pas un pêcheur. Attendez, c'est chaud! Non, c'est chaud, hein! Faut attendre que la canne soit pas mal pliée, d'accord. Alors, je retente. Je retente. Plie-toi. Mais saloperie! J'en reviens pas! J'en reviens pas! Bon! Bah ça va être bien ce live. On va passer un bon moment. On va passer un très bon moment. Non mais là il faut réparation, faut qu'on fasse un live pêche officiel avec un vrai jeu de pêche qui défonce, avec des mécaniques de gameplay qui défonce. Mais il part trop vite! Il part trop vite, j'ai pas le temps de faire la direction. Attends. Il part beaucoup trop vite, faut tirer dans le sens opposé, mais je tire dans le sens opposé. Ah peut-être qu'il faut que je fasse vers le haut, vous pensez? Alors troisième fois, 1. Ah punaise, je l'ai raté. Si tu veux un indice, dis-nous. Bah oui, évidemment, oui. Quelle question. Elle doit plier trois fois, d'accord, attendez. Une, deux. La deux et la troisième. Je le vis trop mal là. Un indice pour les gens qui regardent ça en VOD, regardez à partir du moment où ça change d'écran, je bougerai plus l'écran à partir de maintenant, donc j'ai pas pêché mon poisson, vous avez la petite flèche, vous passez sur le côté en bas là, et vous voyez quand on peut zapper. Ah là là. Vas-y, fais quelque chose. Non. Non. Non, mais non. Mais c'est de la merde. Oh là là. Oh là là. Oh mais c'est horrible. Mais quel est ce système? Yoko Taré, sort de ce corps. C'est le jumeau maléfique de Yoko Taro. Oh putain. Je suis à balle sur mon joystick pour aller sur la gauche. Que fais-tu? Est-ce que je dois aller dans la direction opposée du poisson ou dans la direction opposée de... Dans la direction opposée de la canne?
Mais je peux pas garder la caméra derrière moi, je vois pas la canne qui bouge. 1, 2, je l'ai raté. Ouais, exactement. Oh là 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 là. Vous pouvez me rappeler pourquoi est-ce que je fais ça déjà? Les poissons sont de trop haut niveau. D'accord. Ah, c'est à cause de ça? Non mais y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Donc c'est pas ce poisson en fait. Tu vois la différence quand elle est vraiment pliée et puis le tempo. Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, la plage sur l'est me dit-on. D'accord, je vais tenter ça. Ah mais attendez, mais là l'objectif il est montré ici là. Ah, c'est juste que j'avais pas le niveau de faire le truc en fait. En fait, le jeu, il te tend un piège de ouf. Il ne te le dit pas, mais tu douilles à l'infini, quoi. Ouais, alors par contre, je sais pas où aller. Par là-bas, du coup. Je sais pas. On va tenter ça, attendez. En fait, depuis le début, vous saviez que j'étais pas sur la bonne plage, mais vous ne m'avez rien dit. Et du coup, je... Oh, c'est Bethesda. Oh, c'est excellent. On dirait la plage de début de Final Fantasy X. Bon. Je retente. Ok. Ah bah voilà, il se passe des choses d'un coup là. Il est bon là. Allez, voilà, ça c'est bon ça. Le poisson chaman, le fameux, voilà, très bien. 11 cm, ce qui est pas très grand. Pour 140 grammes, apportons-le à Yona. Voilà, c'est bon. Rapunaise. Pardonnez-moi, j'ai pêché, exactement. Je suis épuisé. Moi aussi. Que veux-tu, gardienne de plage? Que fais-tu là? Est-ce que je peux te parler? Non, tu as un champ gravitationnel autour de toi, je ne peux pas. C'est pas grave. Wait! I said hold it. Hold it! Ok, très bien, j'ai compris. Je me fais engueuler en plus. How can you just ignore an old woman in need? Oh, I wait for this generation. The children of this age are nothing but selfish, heartless cads. Wait, are you talking about me? No, ignore her. We have a quest to complete. People like that are best left to their own devices. Oh! Oh! What's wrong? My illness has returned. It must have been the shock of seeing this rude floating book. Rude? His book? Now see here, madam, I'll have you know. You did this. Oh, what a terrible thing you are. Why, you insolent crone. How dare you address me like some common paperback? Easy, boys. You there, boy! Would you truly abandon a pitiful old woman to this cruel world? Are you asking me? Oh, do please ask me. Oh! Good heavens! I can't believe how much cajoling that took. You're welcome. I am at a loss as to what aid we could possibly give a woman who is so clearly able to talk her way into anything. I need you to go to the post office and tell them to deliver my mail. I can't fathom why they haven't been here yet. Oh, oh, the pain! Enough, we'll go to the post office. Just stop saying things. Très bien. Eh bien écoutez, on va lui rendre service bien évidemment, mais par contre faudra d'abord voir dans quel ordre on fera les choses. Je vais essayer de fouiller un tout petit peu au cas où des fois qu'on tombe sur des quêtes. Alors mon travail m'a épuisé alors que je me repose un peu. Cet endroit est parfait pour faire une pause, hein. Très bien. On va regarder là-haut ce qu'il y a aussi. Encore une fois, voilà, c'est les instants un peu lents où j'essaie de regarder un peu l'univers aussi, hein, parce que c'est quand même important
de voir comment les choses sont faites. Par exemple, voilà, on n'aurait jamais découvert qu'il y a ici une tour dans laquelle il n'y a sans doute absolument rien. Exactement. Mais ça, vous le saviez pas. Ah, attendez. Oh, stylé. Ça me fait délirer les trucs comme ça en pseudo 3D, en mode bâtiment. C'est très, 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 très fun. Je trouve ça assez marrant. Ah, alors attendez. Attendez, il n'arrive pas à choper l'objet. Voilà. Une potion curative, très bien. Non. J'ai essayé de l'arnaquer un peu, mais je pense qu'il a compris qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. C'est pas une tour, c'est un phare, exactement. C'est une péninsule. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est vrai qu'en tout cas, la version anglaise du jeu, pour le moment, elle est plutôt très convaincante. Hein. Il y avait des gens qui étaient assez inquiets de ça, je me rappelle au début du live. Où on me disait, ah, tu sais, machin, la VA, tout ça, la version japonaise, elle est bien. C'est vrai que la version japonaise doit être formidable, mais en tout cas, la version anglaise est pas... Elle est pas dégueu, quoi. Je suis un aigle. Quand il saute comme ça, il est vraiment ridicule avec ses bras. Regardez. Ya T'as l'impression que c'est une animation de gamin japonais qu'on lui a filé, mais ça rejoint un petit peu le délire du frère et du père, là. Je sais pas, c'est bizarre. Bref, on s'est compris. Alors, est-ce que il y a des quêtes? Normalement, oui. Alors, je suis un maître pêcheur, très bien. Donc là, il y a des appâts qu'on peut récupérer. Le problème de ça, c'est que... On va en prendre deux de chaque, en mode on sait jamais, ça peut servir, je sais pas trop pourquoi. On commence à avoir pas mal d'argent, je rappelle quand même qu'à la base il y avait une épée qui coûtait ultra bien. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas dit pour les gens qui suivent ça en VOD, mais on a fait quelques quêtes. Le poisson chaman, ah j'aurais pu en acheter un comme un salaud, ah non je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça du tout. Alors je vois qu'on peut acheter des conques, ah attendez, j'ai une quête à faire, je crois qu'il me faut des conques justement. Alors quête non accomplie, ça se mange les conques? Non, c'était des noix et osmondes, d'accord. Et je dois prendre des tulipes. Alors, on va essayer de trouver ça. Déjà, peut-être que là-dedans, il y a moyen d'avoir une quête ou quoi. On va voir. Je sais pas trop. Ouais. Bon, on va essayer de trouver la fleur qui nous servira pour la suite, même si j'ai quelques doutes. J'ai du mal à me repérer là en fait. Attends, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, c'est vrai qu'on a un truc à faire. Attends, oula. Où est-ce qu'on doit aller? Là-dedans? Ça, c'est étrange ça. D'accord, donc ça c'est peut-être pour la madame. Attendez, je mets en plein écran. Bonjour. Une vieille femme qui vit près de la côte voudrait vraiment avoir son courrier. Oh, vous voulez dire la vieille femme du phare? C'est bien elle. Auriez-vous l'amabilité de lui apporter son courrier et mettre fin à ses jérémiades? Je regrette, mais je me suis fait mal à la jambe, alors je ne pourrai pas distribuer le courrier pendant quelque temps. Ça ne lui plaira pas du tout. Qu'en est-il de votre serment sacre de postier? Sacré de postier, pardon. N'êtes-vous pas censé distribuer le courrier en toutes circonstances quoi qu'il arrive? Tant pis, le jour où ça arrive chez la poste. Très bien, je vais le faire moi-même. Donnez-moi le courrier. Mais, et le serment? Ce paresseux a un devoir de remplir envers... j'arrive plus à parler. A un devoir à remplir envers cette ville? Cela me rendrait vraiment service. Je vous remercie. Soyez, prudent, d'accord? Cette vieille femme a un sacré caractère. Oh, vraiment? D'accord, donc pour lire les lettres et d'autres documents dans votre possession, très bien. On pourra du coup les lire. Je me demandais si... Quoi encore? Habitez-vous dans le même village que Popola? Oui, comment l'avez-vous deviné? Vous êtes habillé différemment. Pourriez-vous lui apporter cette lettre? Bien sûr, pourquoi pas. Et donc on a chopé une lettre qui est adressée à Popola, très bien. Donc là ça sent la quête annexe des courriers, un petit peu comme on a pu avoir la quête annexe de la mock post. Ah, attendez, peut-être des choses ici à déverrouiller. Alors est-ce que je viens de me planter dans ce que je viens de faire? C'est pas impossible. D'accord. Je viens de comprendre ce que j'étais en train de mal faire. Donc là, vous allez découvrir les grosses énigmes du jeu. Accrochez-vous. Est-ce que je peux faire un truc comme ça normalement? Oui.
Du coup, je peux faire un truc comme ça. Normalement, oui. On peut même faire mieux que ça. Attendez, je réfléchis. Ah, mon dieu, les énigmes! L'énigme! On peut pas le mettre de côté. D'accord. Attendez, laisse-moi réfléchir. C'est compliqué. Là, je suis perdu. Donc, le but, c'est de pousser un des deux vers le... En fait, si, le but, c'est que ça aille là. Donc, lui, il faut qu'il aille là. Donc, en fait, il faut faire ça. Attention. Ça sent le drame. Tu fais ça. C'est moi qui suis bête ou c'est très simple et j'ai pas trouvé? On va essayer ça. C'est pas dit que ça marche hein, ce que je suis en train de faire, mais bon. Ça s'essaye. Je vais peut-être regretter ce que je suis en train de faire, je sais pas. On verra. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me parlent du fait que Nier est un jeu à quête FedEx au niveau des quêtes annexes. C'est vrai qu'a priori, ça a l'air d'être un petit peu le cas au niveau du fait qu'on nous demande pas des choses incroyables. Pourquoi j'ai fait ça, d'ailleurs? Voilà, c'est bon, ça suffit largement. Je me suis tellement embêté pour rien, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, c'est pas grave. Pourquoi j'ai fait ça? C'est ça la question. À quoi ça me mène de faire ce truc-là? À rien, en fait. Exactement. J'ai juste accès à une zone dans laquelle il n'y a rien à faire. Ta-ta-ta-ta-ta. Bon, c'est pas grave. C'était bien. Ça valait le coup, en tout cas. Mais il n'y avait rien à faire. Bon. Désolé. Par contre, là, ça va être chaud. Parce que maintenant, pour revenir en arrière... ouais, je vais m'accrocher. Je pense qu'il faudra revenir ici plus tard. Il doit y avoir une quête qui te dit oui, machin, il y a un truc planqué dans la réserve, etc. Mais là, ça ne servait en tout cas pas à grand chose. C'est pas grave. On sait le résoudre une fois, on saura le résoudre deux fois. Voilà, je vois sur le chat, ça me dit, donc c'est Ninou qui nous dit ouais, que c'est une quête pour après, d'accord, très bien. Bon, on verra dans ce cas-là après. Du coup, par contre, désolé, ça me fait faire tout un bordel. Voilà. Et enfin, le dernier. Hop là, voilà. Est-ce que je peux sauter par-dessus? Non, je pense pas. Ça aurait été trop beau. Alors par contre, on va lire un petit peu les choses. Alors, information, j'imagine que c'est ça. Document. Alors, lettre pour Popola. Cher Popola, je vous écris pour discuter de l'air. La situation est alarmante. Comme vous le savez déjà, les ombres sont de plus en plus agressives dans la région et nous craignons le pire. Le chef du village n'a répondu à aucune de nos lettres et nos marchands ont perdu tout contact avec leurs clients de l'air. Littoral n'a pas encore été attaqué par les ombres, mais ce n'est qu'une question de temps. Je vous en conjure, fortifiez vos défenses. Contre ce terrible fléau, la perte d'un autre village serait désastreuse. J'espère recevoir de vos nouvelles bientôt, le maire de Littoral. Très bien. Ma bien-aimée, j'espère que tu pourras me pardonner de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps. Je suis tombé gravement malade et j'ai eu de la difficulté à trouver un médecin en ce pays étranger. Les habitants ont toutefois fait preuve de beaucoup de bienveillance à mon égard et je reprends peu à peu des forces. J'espère pouvoir tenter la traversée lorsque je serai complètement rétabli. Je pense à toi tous les jours et il me tarde d'être de nouveau à tes côtés. Je fais tout mon possible pour que nous soyons enfin réunis. Sois-en assuré, prends soin de toi. Donc là, c'est la lettre pour la mamie, bien évidemment. Et oui, on lit le courrier des autres, exactement, voilà, c'est exactement ça. Ah! On va aller lui amener, mais par contre, j'ai toujours pas trouvé le magasin où je vais avoir la possibilité d'acheter les fleurs qu'il me manque. Attends, on va regarder ce qu'il y a ici. C'est marrant, c'est une petite fenêtre et tout. Enfin, fontaine, pardon. La pauvre, ouais, carrément. La date... Ah, c'est une bonne remarque, ça. Attendez, j'ai pas regardé la date, du coup,
de la lettre. 3340. Et nous, on est en quoi? C'était 2049 plus... plus 1300... Ouais, non, non, ça va, c'est pas si vieux que ça au final. Attends, mais si, on était en 2049 et c'était 3000 ans plus tard, donc elle a 2000 ans la lettre. C'est chelou cette histoire. 1312, c'est ça, ouais. Ah non, non, c'est ça. Attends. Oh, c'est chaud de compter comme ça en live là. On se calme, on se calme. Nous sommes en 3361. Merci, voilà Yusuke, c'est exactement ça. Donc en fait, la lettre, elle a 21 ans. Ça fait 21 ans qu'elle attend du courrier. Ça commence à faire pas mal quand même. On peut le souligner. Alors, est-ce qu'on va trouver ce qu'il nous faut? Ongan, machin, carte du littoral. On va acheter ça. Voilà. Comme ça, on aura les cartes dans le jeu. Alors, est-ce que ça va être cette personne-là à qui on pourra acheter des fleurs? J'ai l'impression que non, hein, ça va être compliqué. Alors, Osmond, Calba, haricot, riz, germe, bulbe de tulipe. Ah, il nous en faut ça. Je sais plus combien, mais il nous en faut. On prend 5 au pif. Ah, mais c'est ça, mais je suis con, c'est l'objet que je... C'est l'objet que je suis venu chercher. Quel imbécile. Bon. Où es-tu? Je n'entends pas les cris de cette vieille mégère. Elle n'est pas dans les environs. J'en suis convaincu. Non, je suis convaincu que nous pourrions l'entendre sinon. Les habitants de la ville l'appellent la vieille femme du phare, non? Eh bien, allons jeter un coup d'œil au phare. Très bien, on va y aller du coup. Quelle prodigieuse perte de temps, nous dit-on. Ah, oh, pas tant que ça. Alors, c'est rigolo parce que je vois que j'étais pas du tout obligé de l'aider. Je me demande ce qui se passe si jamais on lui fait un rage kit et qu'on lui dit non, laisse tomber. Vous me dites qu'il y avait des osmondes qu'on pouvait acheter là? Ah oui, bien vu. Bon, fallait 3. Ok. Donc, le dernier truc qu'il me manque, je sais plus ce que c'est, mais c'était un truc important aussi. On verra ça le moment venu. Si jamais ça vous revient, n'hésitez pas. En attendant, on va aller au phare du coup et voir un petit peu la tête que ça a. Là, on est vraiment dans un moment creux du jeu pour poser pas mal de choses. Finalement, encore une fois, c'est l'ambiance hein, et c'est de la... C'est du rapiaçage de durée de vie, mais rapiaçage habile parce qu'on s'ennuie pas, mais c'est calme. Clairement, c'est calme et lent, tranquille. Voilà, faut pas s'inquiéter de tout ça. Attention. Bonjour. Oh, c'est vous. Comme voulez-vous. Nous t'avons apporté ton courrier. Le postier s'est fait mal à la jambe, c'est pour cette raison que... Ce n'est pas une bonne excuse, c'est son travail. Il doit distribuer le courrier quoi qu'il arrive. N'a-t-il pas prononcé les serments des postiers? Il est atterrant d'imaginer que quelqu'un pourrait se donner la peine de t'écrire une lettre. Quel bouquin impertinent. Puisque tu veux le savoir, c'est une lettre d'un être cher. Eh bien, je suppose que je devrais vous donner quelque chose en retour. De l'argent, très bien, pourquoi pas. D'accord, okay. rien de plus, si ce n'est on a fait la quête et point barre. Je sais pas trop ce que ça va donner. Oui, les transitions musicales sont très habiles, comme le dit Steven. En fait, ce qui est très très classe, c'est qu'on est toujours dans des pistes qui ont des motifs similaires, et donc du coup, passer de l'une à l'autre se fera de façon très naturelle et très logique, en fait. Et c'est vrai que c'est assez foufou. Alors, on doit apporter le poisson chaman à Yona. On va aller lui apporter ça. Et c'est le moment où je réalise qu'on aura fait une session entière sur juste un pauvre poisson. C'est quand même un peu la tristesse. Mais bon, c'est pas grave, on a vu le nouveau village, on a vu plein de choses. Et merci à InuLife au passage, du coup, qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi. Et bienvenue. Mais ouais, du coup, voilà, on a de quoi faire. Alors, la vieille femme du phare, machin, n'est pas mégère, plus batailleuse, pourquoi pas. Attendez, je vais vérifier un truc par contre, juste au niveau des quêtes, pour être sûr qu'on ait bien un raccord avec tout ça. Du coup, le coursier va procurer les bulbes de tulipes, donc ça c'est bon, c'est fait. Et ensuite, là, il nous faudra juste les noix. Je vais juste vérifier, je suis pas sûr d'avoir... Est-ce qu'il y avait des noix de vendues ici?
Peut-être que oui et que je l'ai pas vu. Melon, osmonde, champignon, germe, graines. Non, pas de noix. Pas de ci, pas de ça, sans ceci et sans cela. Ouais, donc du coup pas de noix par ici, on verra plus tard peut-être, je sais pas, y a rien qui presse de toute façon. Donc voilà, on a fait quand même quelques quêtes annexes, donc ça avance tranquillement. Mais il nous reste encore du taf quoi. Spip qui nous dit, titre de la VOD, un poisson nommé chaman. Putain, j'espère que je m'en rappellerai de celle-là, parce que elle est plutôt pas mal. Allez hop, voilà. Oh, merci SNK, bientôt les 30 ans. Dans les 30 mois, n'exagérons rien. Mais c'est vrai que SNK quand même abonne à la chaîne depuis 29 mois, je tiens quand même à le dire. Je sais pas si vous réalisez, 29 mois, c'est énormissime. C'est énormissime. Merci infiniment SNK, merci infiniment à toi et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser d'ailleurs. Là, je sais pas quoi dire, merci beaucoup. Allez, on va avancer tranquillement jusqu'à Yona, au moins lui poser un peu les bonnes questions. J'ai une question pour les gens qui connaissent le jeu, s'il vous plaît ne spoilez pas, mais est-ce qu'il va se passer quelque chose de décisif, on va dire, au moment où je vais rentrer dans la baraque, ou est-ce que selon vous, la transition vers la suite pour une nouvelle partie de VOD, pour les gens qui verront ça sur YouTube, est-ce que c'est plus habile de couper maintenant ou de couper juste après Yona? Dites-moi. Et en attendant, on va aller poser l'étude. Ah bah tiens, voilà, parfait. Dis-moi, jeune homme, aurais-tu vu le petit Max par hasard? Je suis désolé, je ne connais personne de ce nom. Max est mon chien, il a disparu hier. Oh, je vois. Savez-vous où il pourrait être? Il aime se promener dans la plaine septentrionale, habituellement. Il revient toujours à la maison, mais je ne l'ai pas vu depuis hier. Il est mort. Non, je ne sais pas. Après, me dit-on. D'accord. Je suis inquiet pour mon chien. D'accord, ne vous en faites pas trop. On va se débrouiller. Ah, par contre, je sais plus à qui j'avais... Ah, les tulipes, je crois que c'était pour... Je sais plus. Oh, je sais plus du tout. En fait, il n'y a pas d'indicateur de quête pour savoir à qui on a pris telle ou telle quête et tout ça, donc c'est compliqué. Si quelqu'un peut regarder éventuellement sur le chat dans les Solus ou quoi, ou si vous vous en souvenez, du coup, la quête, le coursier, c'est la fleuriste du village. Mais alors, va-t'en trouver la fleuriste du village ici. Ah, peut-être. Attendez. Ah, c'est ça, voilà. Voici les bulbes de tulipes, très bien. Et on y est bien. Voilà. Ah, attendez. Maintenant, j'ai un jardin près de la maison. Selon ce que vous y plantez, vous pourrez récolter des fruits, des légumes. Très bien. Intéressant, ça. Alors, du coup, là, j'imagine d'autres quêtes qui vont se déverrouiller. De l'engrais. D'accord. 3 sacs d'engrais de récolte la prochaine fois qu'on va à littoral. Voilà qui donne envie de refaire un aller-retour, malheureusement. Alors, pardonne-moi, jeune homme, pourrais-tu m'aider? Je désire envoyer un grand plat à quelqu'un à littoral. Est-ce que tu vas accepter? Bien évidemment, oui. Et donc là, ah, attention, fragile. Oh, punaise, on n'a pas fini. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire quelque chose d'habile pour une fois. Je vais faire une toute petite ellipse. Regardez ça, vous allez voir, ça va être très furtif. Voilà. On y est. Bon, du coup c'est bon. On a fait les deux petites quêtes. Je parle pour les gens qui regardent ça en VOD sur YouTube. Et donc maintenant on va pouvoir attaquer la suite. C'est-à-dire en fait retourner dans notre maison, retrouver Yona. Et voir, alors je sais pas ce qui nous attend par la suite, parce que là on a fait une quête qui était très standard finalement, c'était juste bah, trouver de quoi la soigner, tout simplement, et faire en sorte qu'elle aille mieux. Maintenant qu'on a fait tout ça, quel est le problème? Allez, attendez. Je parie que, on va voir, mais je parie que elle n'est pas là. Et qu'en fait elle va se retrouver dans une, je sais pas, dans une zone, une baraque où elle se fait enlever, où il se passe un truc comme ça. Bref, quelque chose qui déclenche et qui fait qu'on se sépare, je ne sais pas. On va voir, attention. Ah mince, je pensais qu'elle parlerait. Papa, j'ai mal! Ne t'en fais pas, je vais te préparer un remède. Je te préviens, il goûte mauvais. Il goûte mauvais, c'est rigolo ça. Mais tu dois le boire jusqu'à la dernière goutte. Il goûte mauvais, mais c'est du canadien ça. C'est trop bizarre. D'accord. Bien. Bonjour papa. Comment te sens-tu? En pleine forme, la douleur a complètement disparu. C'est formidable, Yona. C'est vraiment formidable. Je dois aller voir Popola. Reste ici et repose-toi bien, d'accord? D'accord. Ah,
Et là, elle nous donne une... Oh, you're back. Dis, papa, je vais essayer de préparer un ragoût. Pourrais-tu m'acheter de la viande de cerf et du blé? Un ragoût de blé et de cerf? Ça semble... délicieux, Yona. Mon estomac va en souffrir. L'ironie que tu sens jusque dans la discussion. D'accord, Yona. Je vais me procurer les ingrédients dont tu as besoin. Vraiment? Oh, merci, papa. Tu vas adorer, promis. Bien, bien, bien. C'est chelou. Voilà. Bon, et eh ben écoutez, ça promet. On a commencé par une super quête absolument incroyable de poisson et maintenant on va aller chercher du ragoût. Ça va être génial. Non, en vrai, on va parler à Popola et je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se révéler, etc. Bref, on verra tout ça le moment venu. On va faire une toute petite pause pour les gens qui regardent ça en VOD, donc sur YouTube, et pour les gens qui suivent ça en live, je vous récupère dans quelques instants, bien évidemment. Je vous dis bien évidemment à tout de suite, voilà, on se fait une micro-micro-pause. Je vais aller chercher un truc à boire au passage parce que je suis en train de crever la soif. Et puis, bah, du coup, voilà, à tout de suite. Je me dépêche, à tout de suite.